Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur la chaîne Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Si on a le plaisir, on a l'occasion, je retourne sur la plateforme avec une autre émission. Je salue tous les amis qui branchent, qui attendent, qui regardent la chaîne Radio Parler Haïti. Salutations par nous spéciales, bon Dieu béni nous. Gagné Fednel, mon chéri, qui dénonce Pierre Espérance, eh bien, qui fait comprendre Pierre Espérance a bay bandizam, Pierre Espérance dans kidnapping. Eh bien, monsieur allait plus loin pour le dire, il y a un pile bandit qui dans le pays là, côté bandit Sao. C'est Pierre Espérance qui bat aux âmes. Eh bien, Fednel, mon chéri, non sens, l'a demandé arrestation Pierre Espérance rapide, rapide. Parce que monsieur déclaré en pile, bandit qui n'a pas eu à là, c'est Pierre Espérance qui bat aux âmes. Et m'a répété encore, eh bien, Fednel, mon chéri, lui-même, lui demandé arrestation Pierre Espérance. Fednel, mon chéri, qui c'est président parti politique Victoire, li, madame, monsieur, lui dit, lui joue Pierre Espérance, directeur NDDH là, qui n'a kidnapping. Président parti politique si la a fait qu'on est Pierre Espérance a planifié pour kidnapper 10 autres moun encore. Eh bien, monsieur Sali même l'a demandé pour arrêter Pierre Espérance puisque monsieur dit Pierre Espérance nan gang. Ou sous chaîne radio Parler Haïti, madame monsieur radio La Voix du Peuple. Eh bien, m'bral fort en des déclarations Fednel mon chéri qui dénonce Pierre Espérance qui nan gang côté li dit Pierre Espérance a planifié là pour kidnapper l'autre 10 moun encore. Entendez déclaration, Fednel, mon chéri, n'a pas tourné. Rendre public une démarche, comme qu'a inscrit dans une sorte d'enquête préliminaire. Ce n'est pas objectif pour nous répondre, Pierre Espérance, loin de là. Parce que nous sommes fait une fuite en avant, nous sommes fait une sortie crabe. C'est qui ça, lui? Nous-mêmes, je dis à là, nous disons clairement pour tout le monde que Pierre Espérance n'a pas kidnapping. Nous reprenons encore. Démarche que nous faisons, nous joignons mes messieurs, trace messieurs, dans l'activité de kidnapping. Et qui s'allie? Nous faisons ensemble de rencontres que nous avons fait à travers tout Port-au-Prince, dans la zone Champ-de-Mars, dans Biwol, dans la zone Rucapois, rencontres qui fait et Caradeux, à un ensemble de malfrats. Côté que y a un plan pour kidnapper les gens, dont moi-même avec 10 autres personnes. Donc, la conférence, c'est justement pour nous sauver la vie de gens, tout. Parce que y a un pile là-dedans, nous connaissons. Là-dedans, nous avons déjà informé de l'action criminelle, monsieur ça. Pendant 2 mars, pour arriver 13 mars, ils ont fait plusieurs réunions dans la zone Sao Rindou là. Et dimanche qui était 13 mars, pendant dans le local ça, il y a un coup de fil qui fait. Et il y a tout numéro là. Ils ont informé que je suis dans le local là. Mais qui machine, mais qui l'a rivé. Et espérance en personne passer devant dans un prado blanc. Il y a une plaque là, c'est un nouveau plaque. Espérance utiliser deux plaques machines. Ou bien deux machines pour aller dans la compte. Il aller deux fois. Tout reste le faire dans le bureau. Et il y a un téléphone spécial pour parler à M. Sao. Le informé comme là, il a passé un message et il est arrivé dans le local là, côté Pierre Espérance siégé. Il a utilisé un Prado. Qui est immatriculé AA 17411. Il utilisait un Corolla vert qui est nouveau plaque, c'est 03891. Donc, il est allé dans la réunion de la machine taxi, anti-voiture, il fait plus de temps. Mais il est allé dans la il n'est pas arrêté trop. Il a dit que je suis dans le local là. Et vous faites, comment vous planifiez? Vous faites une planification sur 90 jours, mais quantité de monde qui vous levez. Ok? Vous gagnez une équipe qui gagne au moins 7 personnes là-dedans. Et chef équipe là-dedans, la femme Jean Dukens. Probablement, monsieur sont évadés de prison. Téléphone que vous utilisez pour monsieur, pour parler avec l'équipe, c'est 38 52 39 27. Il y a un deuxième citoyen qui vient dans le dossier. C'est David Dorméus.
que tout le monde connaît sous le nom David dormait. Téléphone yo utilisé pour yo parler entre yo. Parfois téléphone dormait kon nan men la faille, téléphone la faille kon nan men dormait. L'utilise un téléphone qui c'est 47 08 05 46. La faille habité zone Matissan dormait dans Siko. Michel Gabar son l'autre encore qui habitait zone Solino. Yo gen yon militant avec le Timoto Paproché. Non, monsieur, normalement c'est Valérie Stanley. Monsieur est dans la zone des miracles. Il a acheté une moto Bali. La faille recevoir comme ça de Pierre Espérance. Lundi dernier, il a acheté une moto pour 900 combien de dollars américains. Bah, monsieur, que une photo moto, il y a toute information sur. Donc, complot ça, c'est pour qui ça? C'est pour être capable de simer, panique dans le pays ça. Il y a des gens qui kidnappent, qui enlevent, qui assassinent. Ça crée la trouble pour nuire au gouvernement. Et ça fait que après, il informe que je vais déposer une plainte dans le paquet. Oui, mais plainte. Avec tout le monde qui m'a cité là, il informe le cabinet avocat que je vais déposer une plainte. Et plainte ça nous déposé le 24 mars 2022. Et puis il courut prendre devant pour dire que il y a un groupe nègre qui a craché du fait que PM Ariel mettait dans la tête li alors que encore que m'a dirigé un groupe bandit dans sa salle. Donc à ce niveau, nous même nous pas capables d'accepter un nègre qui a fait payer à mal comme ça. Vous n'êtes pas planifié tout bagaille contre le pays, contre le monde dans le pays. Et vous avez une capacité pour faire un rapport. On a dormi 2000 fonds rapport. Regardez pour vous. Il y a deux zones dans le pays. Vous ne pouvez jamais voir Pierre Espérance mettre le monde dans le rapport. Vous ne pouvez pas pour qui raison, mais son constat. Donc nous faisons ça justement pour nous annoncer tout le monde que nous informer de la situation. Et m'te gen une conversation à yon an ek une équipe là, t'es arrivé un téléphone. Pour qui ça? Parce que, n'a au moins de 200 000 dollars pour faire la place. Pour enlever près de 10 moun. Mais a fait pas 3. L'eau de 3. J'ai l'impression que, discussion en fait autour de l'argent, et puis gen ek a fait défection. Moi parler avec yon an ek qui n'a équipe là. Mais depuis 5 jours, gen pour te relever. C'est informateur, c'est information que je gagne. Mais il y a un problème de numéro de téléphone que je n'utilise plus là. Mercredi soir, je relève mon téléphone. Et en plus, le monde a reçu. Après, on côté, c'est moi qui parle à monsieur. Le relève, je dis, moi, en situation difficile, quand on a la bouteille par la voie, je m'a conduit quand je suis rentré pour me parler. Effectivement, je suis rentré. Je parle à monsieur, je copie monsieur. Et moi, je copie. Dans la conversation avec monsieur, monsieur dit que il y a une information de ce sûr, c'est une attente, que il y a un attentat qui va le faire sous moi. Mais comme lui-même, il n'a pas voulu nommer ni condamner, il est obligé de relever pour l'informer. Mais pour qui ça? C'est parce que comme il a demandé, il n'a pas joué comme là, il a peur pour ne pas prendre la rue et puis il a accusé l'autre. Et ça fait que je publie toute voix. Et puis je me dis, monsieur, comme ça, monsieur dit, je vais vous dire toute la vérité parce que j'ai toute information sur le dossier. Je me dis, monsieur, ok, je vais vous dire, même pas j'aimerais l'émission parce que je connais monsieur dans quoi. Information, je vais vous dire, je vais vous dire, et deuxièmement, plainte moins déposée depuis 24 mars, sacré que vous faites là, c'est le commissaire gouvernement qui pour. Convoquer Negio et demander pour que le dossier aille dans le cabinet d'instruction. Donc, je fais tirer la marche ça pour nous. Et je dis encore que tout ça nous dit là, il faut sortir un rapport que une organisation de droits humains qui travaille avec la enquête ça, qui est RMODL. Je vais une définition de sigle, mais il est RMODL. C'est une organisation de droits humains qui a sorti un rapport détaillé.
avant la semaine prochaine dans fini sur ça que me révéler nous matin parce que nous pas capable faire ça parce que nous faut que nous rendre ça public pour me sauver la vie yon paquet moun que monsieur ça prend plaisir mettez nous dans tout dossier que la fait tête qui passe comme on cap fait droits humains mais c'est affaire personnelle la prise qui ça nous dit 15 bagailles pour me faire nous connaître sous monsieur que les expérience mais m'a ba nous 2-3 aujourd'hui là ça nous doit connaître de expérience premièrement c'est un homme sans titre ni qualité sans famille par toutes démarches pas fait m'a retracé des expérience pour me venir côté l'école qui m'ont quitté con discipline juste celle même connaît sur Lagonave. Il y a une image qui était faite à part anti-gang. Ça, son officier supérieur de la médaille. Il y a une image qui était faite dans une zone côté que les gens ont un vol qui fait. Dans une image, ils ont dit que ils ont tout pris. Rivé dans anti-gang, ils ont ronflé la coup de bâton. Ça, c'est un officier supérieur qui fait ça. Fait pas de ça. Que je ne peux pas citer non. Et après, les gens ont ronflé monsieur à l'autre coup de pied. Pour qu'on ait anti-gang, il n'y a pas de jouer à bail ça. C'est l'armée d'Haïti. Et puis, mes côtés que... Bonjour, parlez Haïti. Bonjour, tu Edouard. C'est la France. Moi, j'ai un Dominicain qui rache des petits mouns Saint-Domingue. C'est parce que le pays d'Haïti n'a pas offert rien. Les bon politiciens haïtiens, c'est voleur, c'est cochon, c'est chien. Je considère les politiciens haïtiens, c'est chien mangé à terre, pas dit merci. Vous comprenez? Si Haïti son pays vraiment moun ta réfléchi, c'est pas là qu'il parle là pour Haïti, c'est pour humiliation. Vous comprenez ça bien ou bien? Gardez ça qui a passé Haïti là. Les politiciens haïtiens ont marché sous moun, ils ont senti caca. Les politiciens haïtiens ont marché sous moun, ils ont senti volé. Les politiciens haïtiens ont marché sous moun, ils ont senti boucabrit. Les politiciens haïtiens ont marché sous moun, ils ont senti cochon qui se baigne dans la boue. Vous comprenez avec nous bien? Parce que si que nous avons un pays, nous indépendants, un pays nous sommes occupés, ce n'est pas là que nous avons pour prendre humiliation. Tout ça, c'est faute avec les politiciens haïtiens. Vous comprenez que Haïti n'est pas tombé dans le caca d'ino, Haïti est tombé dans le caca de lololo. Dernière classe haïtienne maintenant, là, toute la misère. Ça cause ça, c'est à cause des politiciens qui pas font travail qui sérieux. Vous comprenez avec nous bien? Moi-même, si m't'arrête un jour, m't'attendais que pays d'Haïti prend du feu, gon vol qui passe en bas. Pays d'Haïti t'a prend du feu pour tout yon série volé en bas, m't'a content. Parce que dernière classe politicien haïtien, tout se volé. Tête volé dans pays d'Haïti, c'est Ariel Henry. Comprenez? N'ego tout yon Jovenel, n'ego tout yon Jovenel, yon dit quoi que pour pays à carbone, yon fait pis mal. Mais n'ego ça ou pas bien fatigué yo. On a vu bien, yon vient de s'attention quand même. Vous comprenez? Pour que pour Dominique, il y a tout pas bien, tout ça, c'est caca sur le monde. Tout ça. Palais Haïti, bonjour, bonsoir. Nous saluons tout Haïtien qui a écouté dans le moment ça. Nous saluons tout Haïtien qui a écouté Radio Palais Haïti. Dans le moment ça, nous avons parlé ensemble avec tout Haïtien qui a passé misère dans Saint-Domingue, qui a passé misère dans tout l'autre pays. Yo. Oui, parler Haïti, moi toujours tande radio parler Haïti chaque jour. Mais gen une émission fait qui côté dominicain raché petit yon haïtien. Ou pa jam tande côté yon gouvernement haïtien aller parler pour haïtien excepté docteur Claude Joseph qui te fait ça. Pour voir comment Ariel Henry, monsieur ça, figu du ça, méchant ça, loup-garou ça, assassin ça, qui fin vive
et puis il pas voulu aucun autre haïtien vive, il pas voulu aucun jeune haïtien vive que l'a crasé yo, l'a brisé yo, le mettez gang ni pour décentraliser yo, fait peuple a courir par ci par là, a prend la mer pour yo, après aller prend humiliation là Saint-Domingue, qui ça Saint-Domingue gain en plus non. C'est pas rien en plus de plus yo gain. Yo seulement mettez discipline la caillou. Yo seulement connaît que y a vive gens yo capable dans pays yo. Mais nous même haïtiens, louga ou yo bay pour Ariel là, louga ou yo bay pour Michel Matéli, toute colonne oligarque ça yo, yo vle haïtien pour haïtien, tout haïtien mourir dans pays ya. Yo ta vle ouais pour tout haïtien mourir dans pays ya. Nous même haïtiens, nous pas besoin riches. Nous seulement besoin d'une vie paisible pour petit nous à l'école, pour petit nous manger et puis pour yo boire de l'eau. Seulement ça seulement nous mandé et puis courant, ba nous un petit courant pour moun yo capable boire, pour ti moun yo capable étudier. Le pou yo pa nan pran tèt grid ap mete pou fè ou malade. Ça seulement peuple a mandé, peuple a pas mandé rien. Ariel Henry, Ariel Henry, Ariel Henry. Ou fait peuple a pas en pile misère, moi même depuis me connais m'exister, c'est première fois moi gens de gouvernement méchant ça. Depuis c'est moun qui camp pay pour payer pour dire fait payer délivrer au prend yo tuer au voyer al tuer yo. Michel Matéli, André Michel, Nenel Cassino, tout le gars où ça nous mettait pour nous tuer tout haïtien, tout avocat, tout docteur, tout monde sérieux dans pays a ou mettait tout à terre, l'on fini kounya c'est tuer ou matcher tuer dans chaque quartier. Ariel Henry, jou va jou vient gen un jour k'ap vini ou ap kite toute méchanceté. Figou fin di ou fin grand moun. Zodon fin raché. Bon pour qui sont pas kite jeune yo vive. Gade un jeune haïtien 30 ans, li gen ti petit li. Nan kouri kite pays ki sa al pran humiliation la caille Saint-Domingue. Qui sa ya ou yo bay au travail coupe kan et nan jardin ou mette au travail. Et tandis que si pays a te gen façon pour yo joine de l'eau pour yo ouze jardin yo. Yo t'ap fè ti jardin yo, yo t'ap fè ti kayo, yo t'ap voye petit yo l'école, yo t'ap viv jan yo capable, yo t'ap viv en paysanne, yo t'ap viv normal, mais non pa ba yo chance qu'on y a nous mette louga ou dans tout pays a champouel, nous mette toute qualité gang gangster dans pays a pour détruire peuple haïtien. Ariel ou pas senti ou honte qu'on y a ou sans honte en pire. Monsieur ça ou ça on t'en pile grand monde canaille ça ou ça on t'en pile ou quitte pays d'Amérique pour venir faire toute qualité criminalité ça ou dans pays d'Haïti. Ariel Henry qui l'a quitté pays a kounye a ou fin tuer Jovenel ou tuer l'autre ou tuer l'autre kounye a là ou voyer tuer et tout monde qui campé pour qui pour dire un bagage pour peuple haïtien. Gayon jou k'ap vini ou ap rann tout ça que ou pran nan men peuple haïtien. Ou ap pale pour Ukraine, ou ap pale pour la Russie qui pi bon passé ou men peuple haïtien ap mouri, tombe mouri Saint-Domingue, tombe mouri nan pays à tout côté, avocat y ap tué par ci par là et docteur et infirmière y ap tué tout partout ou pa jam di rien. Kou yon grien dan ou besoin al parler pour pays qui pi bien passé ou. Ou ap chèche gros autobré pareil ou ap chèche blanc pareil ou. Aha, ou ap chèche blanc pareil ou. A di ou te blanc vrai. Se ki koule ou Ki koule ou? Bon moi même nan pa ta même ba ou yon nan koule ou même non. Même des chabon di fo baye. Même des chabons dif des chaudiers qui sautent sous et trois pieds yo.
ou pa ye. Pale Haïti, c'est pas Saint-Domingue seulement, non? Haïtien a passé misère. Moi, en qualité haïtien compétent qui entre et aux États-Unis. Moun sa ou pral lave assiette. Moun sa ou pral travail dans jardin ke tigren et tigren cerise. Moi ouais moun sa ou ki fin docteur, ingénieur, moun kap travail et ki fin fè philosophie yo. Ki vin aux États-Unis kap passe misère oui. Ou pas besoin d'y en Chili, ou pas besoin d'y l'autre côté encore. Et puis ouais monsieur a fait coffee gills comme son cheval et puis il pas jamais dit rien dans bagaille ça. Ah! Bat chien entendre mettre li pa la Haïti bon Dieu bénis.